Coucou, ben là je vais vous faire une petite vidéo pour faire la partie 2 de la rentrée des Monster High. Donc je vais commencer. Bon bah ben, voilà. Oh là là, je suis toujours pas installé mes affaires. Est-ce que ça m'énerve? Surtout la flemme. Si Madame Santé est arrivée, je vais me faire engueuler. Si je partais faire du shopping pour consoler ça. Allez, un petit tour au shopping, ça fera pas de mal. Peut-être qu'en rentrant, j'arriverai peut-être mieux à changer. Le shopping, rien de mieux pour se changer les idées et pour se guérir. Quelques minutes plus tard. Julia, est-ce que je peux entrer? Personne. Où est-ce qu'elle a pu bien partir? Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là, je vais lui coller un rapport. Hein. Hop, je vais écrire un petit mot. Voilà. Elle sera collée le 18 janvier. Donc, voilà. Faut que j'aille dans les autres chambres. Francky? Non, enfin, personne n'est là. Deux heures plus tard. Oh, punaise. La robe était tellement belle. Il a fallu que je l'achète. Première cause de la débilité, se parler à soi-même. Première cause de la deuxième cause de la débilité, se répondre. Et qu'est-ce que je fais là? Bon, ok, je suis en train de me parler à moi-même. Oh, Goliath t'es plus normal. Mais qui... Oh! Mais c'est pas possible! Oh! Francky! Attends, j'arrive! Une seconde! Y a-t-il? Tu savais que tu étais débile? C'est vrai? Oh, Francky, arrête! T'es bête! Eh, hey, c'est pas gentil, hein? Peut-être, mais au moins je dis la vérité. Hein. Ah bah, tu sais, c'est ça! Bah, viens-tu me parler? Ça me dégoûte les gens comme ça. Oh! Madame Santel, qu'est-ce que vous faites là? Madame Santel, vous êtes là? Et Madame! Oh, désolée, Francky. Je me suis endormie ici en cherchant Goulia. Ah, elle est dans sa chambre. D'accord, au revoir. Elle est vraiment chiante, cette Goulia. Oh. Si je pouvais la quitter. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller en voiture, je vais l'emmener et je vais la perdre sur la route. Bon, je vais faire chauffer la voiture. En allant faire chauffer la voiture. Je vous laisse avec Julia de vous. Oh, je peux pas croire qu'elle soit si méchante avec moi. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. C'est pas un comportement du tout à faire. Je vous dis, si toutes mes amies étaient comme ça, je n'ai pas sorti de l'auberge, hein. Oh, une voiture. Goulia! 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 Tu viens? Qu'est-ce que tu veux, Francky? Je t'emmène en balade. Là-dedans. Là-dedans, comme tu dis, c'est ma voiture. Je viens de la voir à Noël. Donc, tu rentres dans cette bagnole et tu poses tes fesses sur ce siège. Comme tout le monde.
faim, mais ils sont qui? Ça fait quoi, là? Dépêche-toi! Tu sais, j'ai pas toute ma journée! Oh! C'est bon! Relax! Oh, mon sac d'air! C'est sale, ici! Pendant la route, arrivé à destination, au plein milieu de nulle part. Ah! Francky, tu sais pas conduire! Bon, pourquoi tu ne veux pas faire du bar? Quand tu ne sais pas conduire, on sait! Moi, j'ai mon permis et toi, tu l'as pas. Tu l'as raté 15 fois, je te signale. 15 fois en âge de monstre, je veux dire. Que tu veux dire 2 fois. Pourquoi tu nous arrêtes là? Faut que tu nous passes que c'est là où on va. Réfléchis un peu, Goulia. Ta faute, je suis tombée. Oh là là. C'est quoi ce luxe ici? Oh, Berk. Sortez-moi de là à l'aide, hein. À l'aide. Ah, Berk. J'ai gardé mes cheveux. C'est pas possible, hein. J'ai mes lunettes de soleil qui partent. Qui se cassent la tronche. Non, ça peut pas aller, là. Je sais pas où tu m'emmènes, mais on sait jamais, hein. Vous savez où il y aurait des garçons ou quoi. Moi, je prends mes précautions, hein. Oh, quel soleil magnifique. Les belles lunettes de soleil, moi, je dis. Top la classe, hein. Eh, hey, Francky, ils sont beaux les garçons ici. T'es chiant, Goulia. Moi, je suis assise et au moins, il m'est rien arrivé. J'essaie de passer ici. T'arrives à passer par la fenêtre. Comme tout le monde. On s'appelle pas tous Francky, hein, tu sais. Donc, je vais. La voiture se garde toute seule. La voiture magique. Hein? T'as une belle voiture magique? T'es chiant avec tes réflexions, tu sais. En plus, tu me dis oui. Mais t'es vraiment idiote. Ça veut dire quoi, idiote? Oh! Tu sais quoi? Tu veux bien aller m'acheter le nouveau sac là-bas? Il est top la classe. Là-bas, il n'y a pas de magasin. Mais si, tu continues toujours tout droit, il n'y a pas loin, t'inquiète. Tu comptes jusqu'à 100 et... Non, 1000. Un peu plus de 1000, on va dire. Et t'es arrivé. Tu vois, c'est pas loin. Ah, c'est vraiment parce que t'es mon ami, hein. Et que tu m'as envoyé en balade. Bon, tout à l'heure. Haha. Enfin, j'ai réussi mon plan. Pendant la route, en allant à la maison. Arrivé dans la chambre de Goulia. Cette pauvre malheureuse chambre ne sera plus habitée dès demain. Qu'est-ce que je suis drôle. Oh là là. Moi, je dis, il n'y a pas plus drôle que moi, hein. Bon, si on allait dans ma chambre. Non, je vais aller voir Cléo. J'ai envoyé un petit message en disant qu'il y avait un rassemblement dans la chambre de Cléo. Cléo, Cléo, debout, il y a un rassemblement dans la chambre. Ah oui, depuis quand? Depuis 5 minutes. Mais enfin, tu vois pas que je dors, lance-moi la paix. Bah, dors si tu veux.
Je t'en empêche pas. Ah oui, tu m'en empêches pas. T'arrives en criant en disant allez, règlez-vous! Il y a pas de problème dans sa chambre. Oh là là. Je vais attendre les filles. Aïe! Cléo, t'es pas obligée de me pousser. Je t'ai pas poussé. Espèce de parano. Arrête de me traiter de parano, ok? Hop. J'ai pris mon ombrelle au cas où. Hein. Des fois, il fait pas super beau. Hein. Pourquoi on est assemblement en fait? Et pourquoi tu nous as demandé d'apporter nos sacs de courses? T'en as dit pour faire nous le voir? Je crois que je vais rentrer. Je me souviens que j'avais un gâteau au four dans ma chambre. Hein. Claude, je rigole. Ah, ok. Ton gâteau va bouillir. Non, en fait, je me rappelle que je l'ai laissé chez ma grand-mère. T'as pas de grand-mère, Claude. Chez mon grand-père? On n'a pas non plus. Chez mon chien, voilà. Oh. Claudine. Claudine. C'est bon, je suis là. Oh là là. Oh, Ali. On peut vraiment compter sur personne ici. Vénus. Oui. Quoi? Bah, on t'a vu pour le rassemblement, hein. Je vais appeler Abby. Abby! Abby! Yes! Tu révises ton anglais? Non. Je voulais juste me donner un style. Ok. Rochelle est partie aux courses avec sa mère. Elle passe le week-end avec sa mère. Coucou! Salut Spectra! La suite dans le prochain épisode.